Bonjour les amis, j'étais en train de regarder dans mon portable et j'ai trouvé ces vieilles photos et vidéos que j'ai prises le printemps dernier. Les amis, regardez cette vidéo, vous ne le regretterez pas. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous montrer les fruits et les légumes de la campagne. Et aussi les animaux de la ferme ou de la campagne et beaucoup de choses que vous n'avez peut-être jamais vues auparavant. Comme vous l'avez vu, les amis, c'était la période de la cueillette de la poire. J'ai participé à la cueillette de la poire et ça m'a fait un grand plaisir. Regardez, les amis, j'ai rempli le seau de poire. On a cueilli beaucoup de poires, on a fait beaucoup de choses avec. On a préparé une tarte, du jus, de la confiture. On s'est bien régalé avec la poire, elle était sucrée. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est le citron. Regardez comment il est beau, notre citronnier. Si les amis, les pommes, on les a pas cueillies parce qu'elles sont pas encore mûres. Je vous laisse maintenant, les amis, admirer la beauté de l'arbre de raisin. On les a pas cueillis parce qu'elles sont pas encore bien mûres.
les amis, je vous montre le figuier. Voici ces figues avant qu'elles deviennent mûres. Maintenant, les amis, on passe aux légumes. Maintenant, les amis, je vous laisse avec les légumes. Le pois chiche, la salade, le concombre, la tomate, l'oignon et le poivron. Ici les amis, c'est les pois chiches verts. Ils sont très très bons. Vraiment, j'ai adoré. Celle-là les amis, c'est la plante de framboise avant qu'elle soit complètement mûre parce que ici il est encore vert. Là, les amis, c'est l'arbre de caroubier. Là, il est encore vert. Mais je vous ai laissé la photo en haut. Il devient mûr et il prend la couleur marron pendant l'été. Là, les amis, ce sont de petits fruits sauvages, mais on peut les consommer, mais pas maintenant, seulement en été. Voici les amis, le moment que je préfère, c'est le moment où je vais remplir mon panier d'œufs. Je vous laisse les amis avec les poules. Où
sous la haute surveillance du coq. Je vous laisse les amis admirer le lapin qui mange avec la poule dans la même assiette. Et le lapin blanc qui est parti à la poursuite de son frère lapin noir. Je vous laisse les amis avec ces mignons petits lapins. Je vous dis au revoir et likez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces produits naturels.